Bonjour chers téléspectateurs, je me suis adressée à vous il y a peu de temps. Dans la vidéo précédente, nous avons discuté de la question des meuleuses d'angle dans lesquelles l'ancien mécanisme d'entraînement a été remplacé par un nouveau. Pourtant, aujourd'hui nous devons commencer par une vidéo qui a été réalisée il y a environ 9 ou 10 mois. Parce que maintenant, les gens se demandent pourquoi nous parlons beaucoup sans rien montrer. Mais pourquoi devrions-nous montrer quoi que ce soit si nous avons déjà tout montré? Nous avons déjà montré le fonctionnement de la meuleuse d'angle. Pourtant, à l'époque, ce n'était qu'une simple constatation que cet outil à main coupait rapidement, sciait bien et fonctionnait parfaitement. Il en a été de même pour les autres outils que nous sommes maintenant en train de modifier, de rénover, d'installer de nouveaux mécanismes d'entraînement. Tout cela existait dans une certaine réalité subjective, car il était nécessaire de comprendre la faisabilité de même de cette technologie. On l'a montré, on l'a fait, et c'est bien. Mais ensuite, on passe à une autre étape. Parce que tout ce bricolage, tout ce travail artisanal ne sert qu'à tester les principes de la technologie. Après tout, si nous regardons comment la science se développe, il y a des histoires différentes. Certains sont appelés chercheurs. Et si par exemple une personne vient de terminer ses études et n'est pas chercheur? Elle n'a pas été enseignée pour cela? Si. Tout le monde a fait ses études à l'école, à l'université, etc. Alors, qui est un chercheur? On dit parfois qu'il y a beaucoup de chercheurs, mais énormément de malheureux. En fait, un chercheur est quelqu'un qui fait de la science. Qu'est-ce que la science? Ce sont des théories. D'où viennent les théories? Elles viennent de la pratique. Mais s'il n'y a pas de pratique, on commence à faire de la fantaisie. Les gens commencent à fantasmer, puis quand la pratique ne coïncide pas avec leur théorie, la pratique est jetée à la poubelle. Tout cela vient de l'ambition. Je préfère donc oublier le terme de chercheur. J'utilise un mot plus précis pour désigner les personnes qui font de la science. Ces personnes portent le titre honorifique d'ingénieur. Il y a des ingénieurs de développement, des ingénieurs de fabrication et d'autres. Ce sont les gens qui créent des biens répondant à nos besoins. Il y a encore des ingénieurs de conception qui mettent cela en forme, car tout développement devrait être agréable à l'œil. Je ne peux pas m'empêcher de citer que tout ce qui est agréable à l'œil n'est pas toujours agréable au toucher. Et ce qui est agréable au toucher n'est pas toujours agréable à l'œil. Il y a des choses qui sont agréables au toucher, mais elles peuvent émettre une odeur désagréable ou être de couleur désagréable, par exemple. Mais quand vous regardez certains produits, ils sont vraiment beaux, cependant ils n'ont pas beaucoup de sens. L'application pratique est très faible. J'ai souvent rencontré des outils qui semblaient bien conçus, mais ensuite j'ai vu que les gens qui les utilisent les tenaient dans leurs mains différemment de ce que l'ingénieur de développement, l'ingénieur de fabrication ou l'ingénieur de conception l'avait prévu. Certains produits frappent vraiment par leur non-fonctionnalité. Nous nous sommes un peu détournés de notre sujet principal, on va y revenir. Il y a 9 ou 10 mois, nous avons présenté un dispositif qui ressemble à une meuleuse d'angle. Elle remplit les mêmes fonctions, mais sa conception laisse beaucoup à désirer. Cependant, cette machine fonctionne très bien. Après des tests, nous avons dû décider de ce que nous allions faire ensuite. Quelle est notre tâche?
Le problème que nous avons rencontré est maintenant justement le problème que nous résolvons. Il s'agit de la création d'un mécanisme d'entraînement pour les outils à main électrique et les appareils ménagers en remplacement de ce moteur-là. C'est un moteur à collecteur avec un mécanisme à brosse. De tels moteurs servent de base pour la création de presque tous les outils à main électrique modernes, à quelques exceptions près, ainsi que des appareils ménagers. Habituellement, lorsque vous utilisez un tel outil, les voisins commencent à frapper à votre porte et à exiger d'arrêter de faire du bruit, même que des modes de silence sont parfois introduits. Et si une femme au foyer allume un hachoir à viande électrique pour faire de la viande hachée maison, ou qu'elle utilise un presse-agrumes, tous les chats se cachent sous les canapés, grimpent sur les armoires, etc. Les hommes fuient la maison pour prendre un verre en silence. Donc, des choses très désagréables se produisent, car il y a vraiment du bruit. C'est le premier que je voudrais noter. Le deuxième. Ce collecteur, dans lequel vous voyez un élément de contact ouvert sur lequel les brosses courent, présente de nombreux inconvénients. Il scintille, il est obstrué par du graphite. Si des débris ou de la poussière pénètrent à l'intérieur, le moteur se casse rapidement. En outre, si l'outil n'est pas utilisé pendant une longue période, le moteur s'oxyde, il grille, etc. C'est un outil pas vraiment très fiable. Cependant, il coûte cher, parce que la fabrication de ce rotor-là n'est pas moins chère que la fabrication de ce stator-ci. Le voici. C'est un stator dont moteur synchrone. Et voilà le rotor du moteur asynchrone. Celui-ci coûte beaucoup moins cher que celui-là. Visuellement, nous voyons qu'il n'y a pas de cuivre, pas de collecteur, mais il y a des lames et exactement le même axe. Il n'est pas nécessaire d'isoler, car il y a des contacts électriques ici. Donc, il manque beaucoup d'éléments, celui-là. C'est pourquoi ce rotor est moins cher que celui-ci. Donc, nous avions la tâche d'abandonner le moteur synchrone et de passer à un moteur asynchrone. Cependant, le même problème a été résolu d'une autre manière, en utilisant des aimants à haut potentiel, appelés moteurs BLDC. C'est un bon moteur, mais il a de gros inconvénients. C'est son prix assez élevé. En outre, ce n'est qu'en Chine qu'il y a la possibilité de fabriquer le produit fini, parce que la Chine vend ses aimants à d'autres pays à un prix très élevé. Ce pays préfère vendre des aimants dans la composition du produit. Il y a un autre point désagréable. Lorsque le moteur BLDC est intégré dans le boîtier et quand nous le mettons sur la surface où nous avons travaillé, s'il y a des coupeaux abrasifs, il s'y colle. Et à cause des flux de ventilation, ces copeaux abrasifs pénètrent à l'intérieur du moteur qui finit par se bloquer. Le moteur asynchrone n'a aucun de ces inconvénients. En outre, dans les pays de l'Ouest, ils ont adopté une législation interdisant la vente et la mise en circulation d'outils à main électrique avec un collecteur à brosse. Certes, ils ont ensuite abrogé cette loi. Ils ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. La décision d'abroger cette loi a donc été prise. Cependant, le mécanisme juridique a déjà été lancé avant de faire quelque chose. Il fallait donc réfléchir et il faut toujours le faire. Nous nous sommes donc donné pour mission de développer un mécanisme d'entraînement en remplacement de celui-ci. Nous l'avons fait et il doit entrer dans l'histoire. Nous avons fait cet appareil, nous l'avons testé et nous avons réalisé que le problème était résolu. Mais pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Vous voyez le rotor, c'est le premier appareil que nous avons testé. Comment a-t-il été fabriqué? Voici par exemple quelques ébauches. Vous voyez que les tiges sont rondes.
Les anneaux à cage d'écureuil sont grands. Tout est fait de cuivre par soudage. Pourtant, avec l'aluminium, il est beaucoup plus difficile de travailler. Et quand nous avons obtenu les résultats, nous en étions très satisfaits. Vous voyez ici, après le traitement, tous les anneaux sont coulés, tout est traité et répond à nos exigences. Les résultats répondent donc aux exigences. Nous avons confirmé que la création d'Ontel moteur en remplacement du moteur à collecteur était possible. Nous avons eu le prochain défi. Il était clair qu'il s'agissait pour le moment d'un projet technique réalisé sur des technologies abordables, mais il n'était pas possible de lancer la production en série à ce stade du développement. Il arrive que les machines entrent en production trop tôt, mais ce n'est pas bon. Par conséquent, il était nécessaire de faire et de bien tester l'équipement technologique, de travailler la technologie elle-même pour obtenir un nouveau rotor en remplacement de l'ancien rotor. Celui-ci que vous voyez est également semi-fini et attend le traitement. C'est le même rotor, mais il est fait avec une cage d'écureuil en aluminium. Pour fabriquer un tel rotor, nous avons dû fabriquer des équipements de traitement, des outillages de traitement, et il était nécessaire de travailler sur le mode technologique. Il fallait faire un grand travail, car sans équipement spécial, il était impossible de produire des outils de qualité. Et nous l'avons fait. Et en conséquence, vous pouvez le voir maintenant, nous avons un rotor comme celui-ci. Le théorème de faisabilité de la technologie dans nos conditions a été prouvé. Et ensuite, c'est une autre règle de développement qui entre en vigueur et c'est l'étape suivante qui commence. Les maîtres ordinaires pourraient faire un tel produit et s'arrêter là. Ils diraient que cela fonctionne bien, cela s'allume, cela se coupe, tout va bien, mais cela est subjectif. Ensuite, il y avait une étape où nous devions déterminer les résultats que nous allions atteindre. Par conséquent, nous avons commencé à étudier les normes GOST pour les outils à main électrique, les caractéristiques techniques, puis nous avons acheté des échantillons qui se trouvent maintenant dans notre atelier. Nous avons mis les échantillons sur le banc d'essai. Maintenant, je vais vous le montrer. Pour que vous puissiez mieux voir, nous allons donc passer ici. Je vais maintenant vous montrer. Vous voyez ? Un outillage a été spécialement conçu pour l'installation des meuleuses d'angle et pour leur connexion à la machine de charge. Et puis nous avons commencé à retirer les caractéristiques des produits standards de série. Pour la base de notre travail, nous avons utilisé les meuleuses d'angle avec une puissance de 2600 watts, 2300 watts et 2100 watts. Par exemple, ces spécifications sont indiquées sur le produit. Les caméramans vont vous les montrer. Et nos métrologues testeurs dans notre laboratoire ont fait des conclusions très intéressantes. Ils ont découvert une chose vraiment incroyable. La puissance de 2100 watts est indiqué ici. La consommation électrique
et de 220 volts, 50 Hz. La chose la plus intéressante est que la puissance consommée du réseau est-elle mécanique ou électrique? Si nous multiplions des volts et des ampères spécifiés dans la spécification, nous obtenons 2100, mais pas volts, pas watts, mais volts-ampères. Par conséquent, la puissance spécifiée de 2100 watts est la puissance consommée du réseau. 2100, 2300, 2600. Et elle est mesurée en volts-ampères, parce que cet appareil a son propre cosinus phi, car il y a le courant actif et réactif. Cependant, sur le produit, c'est indiqué en watts, ce qui est étrange. Il s'est avéré que nous avions raison. Et puis, lors de la capture des caractéristiques, certaines d'entre elles ont été confirmées, mais d'autres ont été mises en doute. Mais néanmoins, notre moteur asynchrone n'aurait pas dû consommer plus que ce qui est indiqué ici. Mais puisque nous avons réalisé le contrôleur pour prouver la théorie de sa faisabilité, nous avons mis au point le contrôleur pour qu'il fournisse un cosinus phi très élevé et un faible niveau de courant réactif. Et nous avons porté la valeur du cosinus phi de 0,998 à 0,995 à l'aide d'un correcteur de facteur de puissance ou d'un correcteur de facteur de crête. Ce sont des indicateurs assez élevés. Et nous avons capturé toutes les caractéristiques nécessaires, regardé le couple de démarrage qu'il développe et à quel régime il le fait. Et ces caractéristiques sont devenues fondamentales pour nous. Et notre moteur, qui devait être intégré dans l'outil, devait fournir ces caractéristiques. Et puis, nous avons trouvé un moyen de réduire le coût de processus de développement. Nous n'avons pas touché le boîtier d'entraînement au début. Nous avons pris un axe long. Nous avons mis le rotor et nous l'avons testé. Ensuite, nous avons fait des inserts spéciaux pour raccourcir l'axe. Vous voyez qu'ici, l'axe est un peu plus petit que là. Il est d'une longueur différente. Et nous avons commencé à faire des tests. Regardez le produit d'un côté et de l'autre. C'est un moteur intégré que nous avons commencé à tester. À la suite des tests, nous avons obtenu des performances supérieures à celles du moteur à collecteur. Nous avons donc réalisé qu'il fallait développer davantage cette technologie. Parce que ces échantillons nous ont permis de capturer les caractéristiques nécessaires sous de fortes charges. Nous avons testé pendant une demi-heure la puissance mécanique nominale consommée par l'axe. Dans ce cas, nous avons fait en sorte que nous puissions fournir la même puissance consommée par l'axe, c'est-à-dire directement par l'outil de travail, que les moteurs à collecteur standard. Dans ce cas, le moteur à collecteur a une grande réduction de la vitesse sous charge. Il perd plus de 2000 tours. Et quant à notre moteur, nous avons la perte de vitesse de la marche à vide à la charge nominale qui ne dépasse pas plus de 40 tours. Ainsi, le moteur asynchrone a montré une performance plus élevée. Nous avons donc franchi cette étape. La prochaine étape est un test sur un modèle naturel. Nous avons donc fabriqué cet appareil. Vous voyez qu'auparavant, dans de tels dispositifs, il y avait une sorte de gobelet. Maintenant, il n'y en a plus. Nous avons fait ce boîtier-là. Dans ce boîtier, nous avons mis un moteur avec des éléments, des ventilateurs. Il y a des capteurs de température ici parce que tout est contrôlé. En outre, une telle poignée a été créée.
un contrôleur est intégré dans cette poignée. Il n'est pas là pour le moment. Peut-être que mes collègues l'apporteront maintenant pour que vous puissiez voir. Nous avons entièrement assemblé le prototype de la meuleuse d'angle prête à l'emploi sur les régimes thermiques. Et la machine est donc testée dans cette configuration. Cependant, le contrôleur est connecté au banc d'essai et à l'équipement via des éléments de contact spéciaux, afin que nous puissions modifier ses caractéristiques et les paramètres nécessaires. Vous pouvez voir qu'un manchon spécial est installé dans cette meuleuse d'angle pour la connexion avec l'axe. Cette machine est maintenant testée pour une puissance prolongée, des charges et des situations anormales. À partir de ce moment, nous pouvons parler de l'apparition d'un prototype de meuleuse d'angle. Et tous ceux qui existaient avant cela, ce sont certaines étapes qui sont passées par le développement, depuis l'idée jusqu'au premier échantillon, fait par des moyens improvisés, sans l'utilisation de la technologie. Et puis on passe à la technologie nécessaire, à la fabrication par la technologie de la production en série d'ensemble de détails, de pièces. Par exemple, le contrôleur a subi de très grands changements au cours de ces tests. Certaines solutions d'assemblage ont également été modifiées, car la carte à circuit imprimé a été modifiée plusieurs fois. Nous avons optimisé les radiateurs pour le refroidissement, car l'insuffisance ou la redondance du radiateur a été déterminée seulement dans la pratique. Beaucoup de travail a été fait. En parallèle, nous avons testé des machines standards, car pour confirmer les caractéristiques que nous devions fournir, nous devions tester plusieurs machines. Nous allons également tester plusieurs de nos machines pour confirmer les paramètres, car il y a toujours des écarts dans les caractéristiques des différents moteurs. Par exemple, nous avons plusieurs dizaines de stators et de rotors prêts à l'emploi. Dans la vidéo précédente, nous avons montré que nous avons des rotors avec des axes différents pour différents moteurs, différents instruments, différents outils. Le défi consiste donc à créer un mécanisme d'entraînement universel, pouvant équiper une large gamme d'outils à main électrique et d'appareils ménagers. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réussi à développer un tel entraînement. Les modifications apportées à la meuleuse d'angle sont des points techniques. Par exemple, nous avons terminé les tests thermiques et maintenant ces modèles 3D peuvent être transférés pour la fabrication de moules. Cela signifie qu'il est possible de se lancer dans la partie commerciale du projet. Parce qu'à ce stade, en plus des tests, nous sommes engagés dans le calcul des coûts pour différents lots de produits fabriqués dans le cadre de la production d'un mécanisme d'entraînement séparé et de la production d'outils à main électrique. Une optimisation des prix des composants modulaires électroniques est également en cours. Je n'exclus pas que le contrôleur subisse quelques modifications pour réduire les coûts. C'est possible. Mais la qualité ne sera pas détériorée. Nous menons maintenant des négociations actives avec les fournisseurs, en particulier avec Victor Arestov. Un très grand nombre de travaux sont en cours et j'espère que nous vous montrerons bientôt, peut-être courant juin encore, ce travail dans des conditions réelles.
bien que ce ne soit plus si important, parce que l'essentiel est que nous obtenions des caractéristiques sur les bancs d'essai. Il est presque impossible de fournir aux outils les mêmes conditions de charge et de surchauffe dans des conditions réelles que nous le faisons sur un banc d'essai. Par exemple, la norme GOST indique qu'avec une charge maximale, la meuleuse d'angle doit fonctionner pendant au moins une demi-heure dans des conditions climatiques normales. Dans ce cas, les pièces ne doivent pas dépasser des températures admissibles, prévues par les classes de réchauffement, de résistance thermique, etc. Il existe également de nombreux autres paramètres pour le contrôleur et pour le moteur lui-même. Vous comprenez parfaitement qu'en une demi-heure de travail, la pierre abrasive est complètement mangée. En raison du fait que le régime n'est pas perdu, la productivité est améliorée. Avec une telle performance, il sera beaucoup plus intéressant de travailler. Maintenant, nous ne pouvons évaluer le niveau de bruit de la machine que par notre propre perception. Mais les bruits proviennent principalement du réducteur et du fonctionnement de l'outil. Le moteur lui-même est silencieux. Le collecteur ne fait pas de bruit. Par contre, la qualité du réducteur ne dépend plus de nous, mais du fournisseur. Je pense que maintenant, les marques qui produisent des composants pour les meuleuses d'angle seront obligées de se demander quelle doit être la qualité des engrenages pour un tel entraînement, de sorte qu'il n'y ait plus de bruit. Si auparavant les engrenages n'étaient pas entendus derrière le bruit du moteur, ils sont maintenant très bien entendus. Ce que je veux ajouter encore. Nous allons bientôt vous montrer d'autres solutions. Nous allons tourner une vidéo sans commentaire pour vous montrer le travail du banc d'essai. Peut-être que nous allons ajouter des commentaires pour vous parler des spécifications techniques. Suivez le site web sauvelmache.ru. Il y a des protocoles d'essai de la meuleuse d'angle standard dans la section des essais. Il y aura bientôt des protocoles d'essai de la nouvelle machine que notre société Sauvelmache développe. Nous allons devoir préparer des protocoles pour trois modifications qui ont la puissance de 2100, 2300 et 2600 watts. Mais en même temps, la question est de savoir quelle puissance nous devons indiquer. 2600 watts? Mais cette machine consommera moins, en dépit du fait que la puissance mécanique sur l'axe sera plus élevée. Que faire alors? Comment étiqueter pour que les gens ne confondent pas les outils? Bien sûr, il faudra lancer la production de cette machine sous une autre marque, sous un autre nom. Parce que quand une personne ouvre le manuel pour savoir en quoi cette machine est différente des autres, elle lira qu'en termes de puissance mécanique, les caractéristiques de cette meuleuse d'angle sont égales à une machine ordinaire, mais la nôtre consomme beaucoup moins d'électricité. S'il vous plaît, ne pas confondre. Regardez nos vidéos sur l'équipement. Il y en aura beaucoup, car d'autres outils sont en développement. Je pense que cela va vous faire plaisir. Nous aimerions que tous ces produits commencent à être produits en série. Mais pour les produire nous-mêmes, nous devons d'abord terminer le bâtiment qui est en construction sur la parcelle numéro 16 à La Bouchévaux. Ou bien nous devrions collaborer avec d'autres personnes morales intéressées, peut-être même étrangères. Au revoir. Prenez soin de vous, c'est à poursuivre.